fait mal aux pieds. Je suis fou, je recommence pas, vous avez pas de vidéo. Coucou tout le monde. J'ai même pas ça pour que je dis ça. So we can break apart the healing. If I seem a little unimpressed with this, an antisocial pessimist. But usually I don't mess with this. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. Ça doit faire au moins depuis les dernières vacances, donc 3-4 semaines. Tout simplement j'étais absente parce que comme vous le savez, je passe mon brevet cette année et j'ai aussi l'histoire des arts. Alors c'est en fait ce qui m'a pris le plus de temps ces temps-ci, c'est parce que je devais préparer mon histoire des arts puisqu'on a un dossier à rendre. J'avais énormément de contrôle et sachant mon trimestre joli, je devais remonter un peu tout ça. J'ai aussi commencé le code il n'y a pas très longtemps puisque je vais faire conduite accompagnée. Du coup il faut commencer le code à 15 ans. Et du coup voilà, j'ai commencé il y a quelques semaines, donc je dois y aller à peu près 2 ou 3 fois par semaine. Du coup ça me prend avec la natation, du coup tous mes soirs sont occupés. En ce moment c'est chargé, mais j'avais vraiment envie de vous trouver un temps aujourd'hui. J'ai pas cours cet après-midi. Le week-end dernier j'étais au Get Beauty. Yes, vous le savez parce que si vous le savez sur les réseaux sociaux, j'en invite partout. Je remercie les abonnés que j'ai vus. Ça m'a fait vraiment trop plaisir, même je vous en parlerai dans cette vidéo. J'ai plein de produits à vous présenter que j'ai reçus de différentes boutiques. Donc c'est des partenariats que j'ai reçus durant les semaines où je n'ai pas filmé. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mon voyage en Angleterre. Voilà, que je vous parle de mon voyage en Angleterre, que je vous montre ce que j'ai acheté là-bas, les endroits où on a été, etc. Parce que j'ai vraiment plus de la faire, mais je sais pas si ça va vous intéresser. 400 pouces. 400 pouces en l'air, je vous fais la vidéo. C'est parti, là, c'est de Shein. Donc vous savez, je suis en partenariat long terme avec eux. J'ai choisi ce petit crop top-ci. Voilà, j'ai un code promo, je vous mettrai en barre d'infos. C'est encore valable du coup, mais s'il n'est plus valable, je demanderai en avoir un autre. Donc voilà ce petit crop top-ci qui est très léger, qui est pas trop transparent, ça va. Et voilà, avec le fameux logo comme ça là, copier-coller de Brandy, je crois que c'est Brandy qui fait ça. Et vous avez été beaucoup à me demander, genre sur mes snaps, donc rejoignez-moi sur mon Snapchat, d'où il venait, donc... Voilà. Cette robe, j'ai trouvé magnifique sur le mannequin. Ça va, la matière, je m'attendais pas trop à ça en fait. Donc en fait, c'est une robe manche longue, kaki. Elle est très jolie, elle me va un peu large, mais tant pis, je la porterai comme ça. J'aime beaucoup, avec des boutons. J'aime beaucoup. Voilà, la matière, c'est un peu... J'ai pas mis mon micro, je suis au bout de ma vie. Donc je vais mettre mon micro. Voilà pour Shein. Ensuite un produit, ça fait un bout de temps que j'ai reçu, qui vient d'Octoly, je l'adore, c'est ce produit là, Guerlain Beauty. C'est comme une crème chantilly en fait, c'est hyper agréable. Par contre ce que j'aime pas trop moi, c'est que faut vraiment bien appliquer sur les cheveux parce que des fois ça peut laisser des résidus blancs comme c'est de la un peu chantilly. Quand vous l'appliquez sur vos cheveux, qu'elles soient cheveux mouillés, coiffés, non coiffés, enfin voilà, ça vous fait des cheveux, on dirait que vous sortez du coiffeur qui vous a mis 10 000 produits sur les cheveux. Vous avez les cheveux d'une princesse, je vous assure. Bon, sur mes cheveux bouclés comme ça, pas trop. Quand j'ai les cheveux lisses, ça se voit, mais vraiment. Et c'est ouf. Par contre, quand j'ai les cheveux bouclés, ça me garde mes boucles, mes ondulations hyper longtemps. Alors dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse ma routine capillaire avant que je me coupe les cheveux ou après que je me coupe les cheveux. Dites-moi ça. Et c'est un des produits soins que je mets constamment en ce moment. J'ai plus de batterie. Cette vidéo, c'est du n'importe quoi. J'en ai ras le cul. J'en ai marre. Et ça protège la couleur aussi. Ma soeur l'a essayé et elle adore. Un autre produit que j'ai reçu, que je n'ai pas pu encore tester, malheureusement, parce que je suis en train de tester un autre shampoing. Et en fait, j'alterne avec deux shampoings en ce moment. Je crois que ma soeur l'a déjà testé. Et je pense qu'elle l'adorait, si je me trompe pas. Mais bon, c'est un soin aussi que j'ai reçu d'Octoly. 3 minutes miracle, souplesse et brillance. Mais j'ai vraiment hâte de tester, je le testerai très bientôt, je pense. C'est ceci. C'est un épilateur et une brosse de Braun. Braun, je sais pas comment ça se dit. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale sur ça. Donc on a la brosse nettoyante, donc c'est une petite brosse comme ça pour le visage. Et j'adore. Je l'utilise avec un soin Bioderma que je vous ai déjà présenté dans des vidéos. Donc c'est un soin moussant. Et voilà, donc je mets le soin sur ma peau et je me fais des petits mouvements circulaires. J'ai commencé au rasoir. Ensuite, il y a une période avec ma soeur. Enfin, moi, les jambes, j'y faisais
aux bandes de cire, pardon. Donc certes, ça repousse moins vite et ça repousse mieux, enfin voilà, bref. Mais c'était trop de déchets, ça faisait mal, c'était chiant, ça coûtait cher, donc voilà. Du coup là, ça fait depuis l'année dernière, je crois que je continue au rasoir, je fais sous la douche et voilà, c'est rapide. Du coup voilà, je l'ai pas encore testé, la brosse du coup je l'ai testé, ça je n'ai pas encore testé parce que j'ai vraiment envie de prendre mon temps, mais il est juste magnifique, il est bleu et blanc avec des paillettes, je ne pense pas que vous allez voir le bruit qu'il fait. Il y a une petite lumière qui s'allume. Grosse brosse aussi, comme ça. Donc voilà, je suis quand même très très contente d'avoir su ça. Je remercie quand même la marque. J'ai été contactée par Merci Andy sur Octoly en me demandant si ils pouvaient m'envoyer leur nouvelle brume avant leur sortie officielle. Donc je crois que leur sortie est déjà faite, si je ne me trompe pas. Mais je les ai testées et je les adore. Merci Andy, c'est une marque que j'adore déjà par leur gel antibactérien. Vous avez un qui sent la fleur, l'autre qui sent, je vais vous dire ça, qui sent la crème solaire. Wouah, ça sent trop bon. Et lui, il sent, je sais pas, il sent le mec. Mais voilà, c'est des petites brumes rafraîchissantes que vous mettez dans votre sac. J'ai contacté le site L'Usine à Lunettes, puisque ça fait un petit bout de temps que je traînais sur leur site. Et comment vous dire que j'adore leurs lunettes. Moi plus particulièrement leurs lunettes de soleil, parce que je n'ai pas de problème aux yeux. Et donc j'ai pu recevoir ma paire de lunettes pour cet été. Et franchement, je suis trop contente, elles sont trop jolies. Ouais, moi c'est la forme de lunettes qui me va le mieux. Les rondes ne me vont pas. Et après les trop grosses ne me vont pas non plus. Donc voilà, celles-ci sont vraiment très très jolies, il y a de petits détails. J'ai eu la petite pochette et tout ce qui va avec. Ensuite, j'ai reçu un colis de Nejoli parce que j'avais déjà fait un partenariat avec eux, si vous vous souvenez, l'été dernier. Je vous assure, je fais une collection de coques. C'est incroyable, j'ai 10 000 coques, c'est aberrant. Franchement, c'est ridicule parce que j'ai plein de coques et je sais que je vais pas m'arrêter là. Qui est transparente, qui est rigide et voilà. On peut voir l'arrière de mon téléphone, qui est très 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 jolie, que j'aime beaucoup, qui est rose, qui est floutée derrière et qui est toute en silicone. Celle-ci, elle est très très jolie. Donc ouais, elle est transparente et elle est bleue comme ça, pétant, et elle est vraiment très très jolie. Hein. J'ai commandé un petit lot de bagues, donc il y en a des qui sont comme ça, vous allez rien voir. Je vous mettrai le lien du lot de bagues que j'ai commandé. Ensuite, j'ai commandé ça pour mon portable, donc vous voyez, c'est un petit objet comme ça, sur une surface, et ça vous permet de caler votre téléphone quand vous regardez une vidéo ou quoi, voilà. J'ai commandé une perche parce que je ne trouvais pas de perche pour mon téléphone, enfin, je trouvais des perches, mais voilà. J'en avais l'occasion d'en commander une, je trouvais qu'il y avait un bouton. Et ça, du coup, en fait, ça marche que dalle. Je suis dégoûtée. Quand je compterai vloguer, en attendant un appareil de vlog, youtubeuse, vlogueuse. Et ensuite, pour finir, j'ai reçu deux plaques de tatouage que j'avais commandées l'année dernière et que je n'ai, il m'en reste presque plus. Franchement, je les adore. Et l'été, j'adore porter ça. C'est joli, franchement, j'ai adoré, à part la coque, du coup, pour mon frère qui s'est pété. Mais sinon, voilà, par contre, j'ai reçu en à peu près 4 semaines. Quelque chose comme ça, simplement. Donc le Gay Beauty, j'y suis allée avec ma soeur, donc j'y allais en tant qu'abonnée et pour voir des youtubeuses. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez vu que j'ai vu Anna RVR, je suis trop contente, avec Safia, avec une Noemi Makeup Touch, avec Jeanne, avec Léa de la chaîne Léa Chou. J'ai vu plein de youtubeurs vraiment de vues. Il y avait vraiment trop d'attente, vraiment trop d'heures d'attente, comme Sana, Auria, Caroline, Emma. Vraiment, il y avait trop d'heures d'attente. J'étais hyper contente, j'ai vu des abonnés. Donc franchement, je vous remercie, ça m'a fait vraiment trop plaisir. Trop bizarre parce que c'était la première fois que je voyais des abonnés. Mais franchement, ça m'a fait vraiment trop plaisir et je vous remercie, je vous fais des gros bisous. Et je pense que la prochaine fois où je serai à un événement comme celui-ci, donc je pense que le prochain, le gros, sera Video City, j'irai vraiment juste pour voir les youtubeurs avec qui je parle et pour vous rencontrer vous. Donc à cet instant-là, je vloguerai. Mais j'ai quand même bien profité et je vous remercie vraiment à tous ceux qui sont venus me voir. Et si vous me voyez à ce genre d'événement ou même n'importe où, venez me voir, je vous en supplie, ça me fait vraiment trop plaisir. J'ai pu discuter avec certains d'entre vous, j'ai pu prendre des photos avec tous ceux qui sont venus me voir et ça m'a fait vraiment trop plaisir. La veille, il y avait un événement Octoly sur un bateau. J'ai été invitée, mais sauf qu'en fait, je suis partie du coup vendredi soir de chez moi et je suis arrivée à 1h du matin chez ma soeur.
Donc du coup j'ai pas pu assister à l'événement parce que j'avais cours l'après-midi, donc je pouvais pas partir plus tôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ask me if I do this every day. I say often. Ask how many times you rode the wave. Not so often. Bitches down to do it every day. Way too often. Baby, I can hit that pussy red. Often, often, often.